Donnez-moi du boulot. Cette année, nous avons sollicité l'organisation du raid Périgord Aventure donc sur notre canton, de notre tronc. On avait envie, via cet événement, de faire connaître mieux notre territoire. Il touche un public particulièrement intéressant, des jeunes voilà, qui sont encore qui sont curieux, qui peuvent, à qui ça peut donner envie de revenir, ou alors donner envie de prendre le temps d'aller découvrir des choses qui ne sont pas loin et que on méconnaît. Voilà. On est ravis de vous accueillir sur le site de Saint-Estèphe. Demain, peut-être que ça va être un petit échauffement, mais les jours qui vont suivre seront beaucoup plus difficiles. Vous avez bien vu le nombre de kilomètres là, qu'il y a à faire pour demain. Déjà, il y a un très gros morceau de VTT le matin, 21 km. Un petit peu moins de 2 heures de VTT, quoi. D'accord. Mais il y a les indices. Après, le but, c'est pas de négliger les indices. Hein. Ça, c'est hors de question. Donc. Alors, c'est là. Attention au bike and run. Des fois, le vélo, ça peut être plus compliqué. Que la course à pied. Le trail, ça va être un peu mental, les distances sont assez grandes. 6 km. C'est pas petit. Sachant que vous couvrez tous 2,5 km avant, donc 10 bornes, à la fin de la journée, après 30 bornes de vélo. Saint-Barthélemy, là ça monte. Hein. Là il devrait y avoir des trucs, des montées assez costauds. Là. Quand vous serez à pied vu, pour aller à l'arrivée, il y a un profil légèrement descendant. Les indices, on met pas de plan sur la comète, on récolte. Et puis vous allez voir, tout va se débloquer après. Le roadbook, vous avez compris, vous allez tout gratter dessus. Puis après, à midi, eh ben, on remet tout sur ces feuilles. Parce que les feuilles, on les garde. Et ça, si vous ne notez pas ce que vous avez ramassé sur le roadbook, ça c'est mort. Il y a plein de choses que vous avez passées à côté, ça c'est clair. Tu notes quoi là? Je vais écrire ce que tu as, indice. Non, je pense que ensuite. Alors, 4 indices par jour. Ok. Donc, je prépare, tu vois. Sous préfète. Moi, je tends à chercher. 4. On a un terrain de jeu qui est quand même extraordinaire. On a des chemins de randonnée avec une faune et une flore peu communes sur la Dordogne. Et c'est vrai que c'est ce qui nous différencie avec les autres cantons du département. Et c'est bien que les jeunes du département connaissent un petit peu l'ensemble de leur territoire. Ça vient de là-bas, on n'en a pas vu. Super. Ah ben, hein.
Bravo les gars, c'est bien. Sinon ça va, on s'entend tous bien, donc ça va. On s'entraide. Ouais, on a une bonne cohésion d'équipe. Parfois on crée un peu, mais si bon, vous ce qu'on veut faire, les troupes. Ouais, voilà. C'est pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça marchait, deuxième. Parfois on avait quelques écarts, mais souvent vers en haut d'une côte ou quelque chose comme ça, on s'attendait tous pour bien qu'on soit tous ensemble. Ce qui vient d'arriver, c'est 56. C'est 56. Ils ont 6 minutes. Ils ont rejeté quand même. Ça trace sa mère. 6 minutes derrière. Attends, bah. Super. C'est bien ça. Ça va ? Ils sont là, les minutes. Je suis pas sûre qu'on leur mette 6 minutes. Là, c'est les deuxièmes filles. C'est bien les filles. Laissez vos vélos par 3. Et ensuite, vous revenez venir à l'intérieur. Ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Allez, go, go, go. Maxime, tu peux courir ? Comment ? Tu peux courir ou pas ? Ouais. Super. À prononcer devant la grille. Le mot de passe est... Deux points. Lou, y es-tu ? Tu, enfin c'est entre guillemets avec un point d'interrogation. Lou, y es-tu ? Et pour l'indice 4, rendez-vous au château de Bataigne. Ok, nickel. Faut qu'on parte, il y a des gens qui arrivent là. Attends. Dépêche. C'est bon, vous êtes chaud là ? Attends, deux secondes. Faut que je remette... Allez, Lou, y es-tu ? Allez-y, c'est bon. C'est ça ? Allez-y, c'est bon. Côté cool. Là, c'est... Bah, on regarde par terre. Hé, l'indice se trouve entre les pattes du loup. Faut rentrer par là. Ou pas ?
Alors, lundi 10 entre les. On dirait pas de bulle. Par là, moi, je pense. Allez, c'est ici. Oh, viens, 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 viens. Oh. Allez, donne-moi le, un stylo. Il regarde vers là? Ouais. Ouais, il regarde vers là. Bon. Non, allez. C'est bon? Allez, ça allez. Marche. 15 euros. On a du ravitaillement là-bas et après ouais. On attendra le. Merci beaucoup. Eh bien, les filles. Ouais, non, mais il nous aurait peut-être mis 10 minutes, mais on vous a repris là. Ouais, mais parce que nous on a passé trop de temps en bas. Ouais, mais nous on a compris. Quand il y a la crevaison, heureusement que. Oui, la crevaison, non, il y en a plein. C'est la crampe. La crampe. Il y en a plein, ils nous sont passés devant la crevaison, mais on les a. Ouais, mais on finit deuxième, on a fait un bon tir et un bon tir à l'arc du coup. Mais c'est des triathlètes qui sont premiers. En fait, 56 est devant nous en temps et équipe 1 est devant nous. On a fait un bon tir à l'arc et un bon tir. En placement aujourd'hui. Ouais. Tir à carabine ça va et tir à l'arc à Abel. Je pense que je vais m'insérer dans un club, papa. Ah non, franchement. J'ai mis la première flèche au centre. Deuxième flèche au centre. Sur la même. Troisième flèche au centre. Ouais. 29 points. Ticket 37. On est 38. Ah non, équipe 38. On est 37ème de où là? Je sais pas, mais les gens, on est arrivé à combien? On est 37ème. Sud-ouest. C'est par là-bas. Non. Allô, pour il y a deux chemins. Il y en a un qui part au sud-ouest. Et l'autre à l'ouest. Donc là, c'est sud-ouest. C'est sud-ouest. Il va en footing. Alors, attends. Suzy, toi. C'est bon? Non, presque. C'est vite, bien. C'est pas un taureau, c'est un S. S, et quoi? Et lui, du coup, on le met où? À gauche ou à droite? Gauche, il est à gauche. Lui, c'est celui. Attends. Ah ouais. Okay. Lui, c'est bon dans tous les sens, sinon. Lui, du coup, le R. Attends, lui, il est de quel côté? Ok, l'autre, il est tout à droite.
Non, je le trouve pas. Tout à droite, on est. Le S, il est mieux. Là, tout à droite, il est du poids. Oh, mais mignonne, on n'a pas de stylo. C'est une blague. Mais oui, tu l'as. Mais non, c'est vous qui l'avez dans le roadbook, j'y étais. Oh, mais il est sur le vélo. Celui qui est assez grand, tu sais, qui a un cuissard jaune et bleu. C'est un robot. Oui, peut-être. Et lui, tu sais, il tire tout le monde et c'est un peu comme Maxime. Sauf que eux, ils suivent un peu mieux, je pense. Ouais, ouais. Tout ça va, mais... Allez. Allez, allez. Appuie sur les pédales, allez, on est deuxième. J'ai un peu le vertige. Sérieux ? Je suis pas rassuré. Moi j'ai juste envie de tomber. Qu'est-ce que vous faites là ? Bah on a crevé. Ah merde ! On a crevé, on a perdu peu. Parce que moi j'ai jamais crevé, je crois que c'est quoi à cause d'Uber. Mais non, c'est Maxime qui a crevé. Ah Maxime ! Arrêtez de chercher deux indices tout ça pendant que deux ils se tapaient un café là. Franchement, Maxime il a géré sur les indices. C'est plus cool les gars. Allez Bailly ! Regarde-nous, regarde-nous ! Allez Bailly ! Allez Bailly ! Allez ! Le pauvre filet. Fais gaffe, le fini, il va craquer, bah ouais, il... je le sens. Regarde pas en bas, Marion. Ah ben, merci. Allez, là, vous. Avant de l'apercevoir, regardez autour de vous, le signe des couteliers indique le chemin à suivre en rive droite pour atteindre les trois éléments et l'indice numéro 8. Donc, il faut aller par là, déjà. Bien sûr.
Allez, go. Ça va être ici là. Et vous mettez tout dans les. Est-ce que vous avez bien posé les roadbooks, c'est bon? Alors là, vous choisissez, le temps est arrêté, hein, donc vous n'avez pas besoin de courir. Vous vous déplacez le long de la plage, comme ça, jusqu'au canoë là-bas. Vous avez une rue balise blanche à suivre, okay. D'accord. Et là, vous ferez votre course d'orientation. Ok. Au Moyen-Âge, pour torturer les esclaves, on aurait dû leur faire faire le raid. Qu'on va être deuxième, si on est troisième et que c'est pas les premiers qui trouvent l'indice, on redescend 4, on sera pas sur le côté. Freddy, il est toujours pas tâte hier. Ouais, les gars, c'est bien. C'était le parcours un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ça faisait que ça, 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 ça. Il y avait un peu de plat, ça, ça. Mais après, la différence, ça va se faire au niveau des indices. Vous avez tout. Oui, mais nous, on les a tous, c'est juste. Oui. Plus. Il y en a, ils ont fait ça là. Il y en a déjà les premiers ce matin, ils sont même pas arrêtés. Non, ils sont pas arrêtés, ils avaient une demi-heure d'avance. Parce que nous on y était. Donc. C'est n'importe quoi. On les a vus passer. Ouais, demain, et du coup, ils vont aller chercher tous les indices dans la ville. Voilà. Ils vont galérer. On a vu qu'ils ont eu, hein. Le moulin de Pinard, oui. Ouais. Parce que son signe là, je l'ai recopié. Ouais. Coutelier, le U de Coutelier, c'est un... le même signe, mais à l'envers. Exactement. Entre parenthèses, peut-être U. Entre parenthèses, supposition, ce serait un U. Il y a un vélo dès le départ. Quand tu vas partir, tu vis.
c'est bon ça. C'est bon. Allez, on bouge. Il est comme ça ou pas? On bouge. Ouais. Vous êtes en M, dès que vous posez D à l'un 19, rendez-vous en croix. Allez, 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 allez. Faut bien décrypter le truc. Comment on fait pour remplir les symboles? Fallait peut-être commencer au U. Ouais, fallait peut-être commencer au U. Bah, c'est ce que j'ai fait. Mais les vagues, il y a un problème là. Ouais, c'est ça. Okay. Dans les phrases en général, qu'est-ce qui revient le plus souvent comme lettre? Le E. Ben, on va partir comme ça. E, F, G. D. C'est quoi cette lettre? C'est bon. Du. Couteau. Quoi? Plein sud. Plein sud, le temple du couteau. Détient. Lundi suivant. Regardez. Vous avez une phrase à me montrer? C'est bon, vous pouvez rentrer. Donc c'est déjà très bon. C'est le mot que j'ai à Merci. C'est bon, j'ai mis mon passe. Merci. Merci. Tu veux au nord-ouest? Là, la tour qui garde le couteau. Oui. La tour qui garde le couteau, elle est où? Mais, bonne question. C'est ça. C'est compliqué. De l'intérieur vers l'extérieur. Pas facile, tu vois. Attends, si on fait ça, clac, ça finit par un S. S. Ouais, finit par un S. Celui-là, ça veut dire. Non, S. Je pose. Dans le carré final. Ouais, tu vois le radio au début? Ah oui, oui. On était presque. L'énigme, j'essaie de tourner autour du couteau. La coutellerie, enfin, c'est très important pour le Nantronais. Le couteau Nantron, c'est le plus vieux couteau de France qui a été découvert. Donc, voilà. Alors que c'était bien que cette énigme tourne autour de ce couteau. Une énigme qui a été difficile à trouver, que je sache, mais qui au bout du compte, je pense, a apporté plein de satisfaction à tous les concurrents. Le sport, c'est vraiment, ça apporte des valeurs, ténacité, valeur, entraide, solidarité. Je pense que tous ces mots ne sont pas vains quand on va dans la vie future.